Passé 8 heures du soir, les héros de roman ne courent pas les rues dans le quartier des Invalides. Muguet n'était encore qu'un adolescent médiocre lorsqu'il tourne à l'angle de l'avenue de Ségur. Une fillette qui lisait le journal assise sur un petit pliant fut sollicitée par la silhouette du jeune homme. Elle le suivit un instant, des yeux. Puis comme on avait à l'époque la cuisse cocardière, elle se replongea dans le récit des actualités. La revue des Folies Bergères et celle du 14 juillet s'y entremêlaient dans un grand débordement de photographies, de titres et de légendes. Muguet attirait le regard, mais ne le retenait pas. Le seul privilège qu'il posséda était celui d'une stature robuste, à quoi il semblait parfaitement adapté. Cette stature elle-même n'avait pas l'air de l'envelopper au plus juste. Elle l'accompagnait davantage qu'elle ne le mesurait et ménageait une certaine épaisseur entre le monde extérieur et le personnage. Ça ne facilitait pas leur rapport mutuel. Le monde extérieur reprochait à Muguet d'agir comme un scaphandrier et ce scaphandrier reprochait au monde extérieur la vanité de ses mirages. Tout ça d'ailleurs sans gravité parce que, au fond, la conscience ne tintait guère chez Muguet qu'un lointain bruit de grelots, et que pour sa part, le monde extérieur se moquait éperdument du jeune homme. Les gens qui le croisaient se contentaient de remarquer combien le bon Dieu lui avait fait les épaules larges, comme on dit d'un tailleur complaisant.